S. Georgi Todua, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Cameroun et en Guinée équatoriale, a été chaleureusement accueilli par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana. Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Coopération économique en vue entre la Russie et le Cameroun. Hier, une rencontre d'une importance capitale s'est déroulée au cœur de Yaoundé, la capitale camerounaise. S. Georgi Todua, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Cameroun et en Guinée équatoriale, a été chaleureusement accueilli par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, pour discuter des opportunités de coopération économique entre les deux nations. Cette entrevue revêt une importance particulière dans le contexte des visites de prise de contact du diplomate russe nouvellement arrivé au Cameroun. Elle a permis aux deux éminentes personnalités d'explorer les voies d'une coopération économique et commerciale plus étroite entre le Cameroun et la Russie. S. Georgi Todua a notamment mis en avant l'intérêt grandissant des opérateurs économiques russes pour les produits emblématiques du Cameroun, tels que le cacao et le café. Nous avons été impressionnés par la qualité et le potentiel des produits du Cameroun, en particulier dans le secteur du café et du cacao. Nous souhaitons renforcer nos liens économiques et commerciaux afin de promouvoir davantage ces joyaux camerounais sur les marchés internationaux, a déclaré le diplomate russe. De son côté, Luc Magloire Mbarga Atangana a réaffirmé l'engagement ferme du Cameroun à collaborer étroitement avec la Fédération de Russie. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des initiatives passées, notamment les journées économiques et commerciales camerounaises de 2016, où le ministre du Commerce avait déjà exploré la possibilité de faire de la Russie un hub pour le café camerounais dans la sous-région. Il est important de noter que la Fédération de Russie représente actuellement 6 à 7% des parts de marché du Cameroun, avec un volume d'exportation avoisinant les 96 milliards de francs CFA. Cette collaboration prometteuse ouvre de nouvelles perspectives pour les deux pays, tant sur le plan économique que diplomatique. En conclusion, cette rencontre entre la Russie et le Cameroun marque le début d'une nouvelle ère de coopération fructueuse, où les échanges commerciaux et les partenariats économiques sont appelés à se renforcer pour le bénéfice mutuel des deux nations. Restez informés des développements à venir en vous abonnant à la chaîne Audience Cameroun, votre source d'informations fiables et pertinentes sur les actualités les plus importantes. Merci chers auditeurs d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour rester informé sur toute l'actualité, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour encore plus d'informations et d'actualités à venir. Merci.